Vu de chez moi, aujourd'hui, j'ai fait la dent de Rosanne, que voici, et ensuite le colombier. Jolie sortie. Très jolie grimpette depuis Ayons-le-Vieux, à travers bois, c'est très sympathique, surtout avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. J'aime beaucoup ce petit passage sur les éboulis et sous la hêtraie. C'est vraiment très joli. Haut, me voici dans un autre univers. Il fait tout de suite plus frais ici. Face au colombier, c'est sublime d'ici la vue, c'est super. En bas, il y a le lac, tout à sec évidemment. La crête, très jolie. Voici le sommet où il y a une très jolie table d'orientation. On va faire un petit panoramique. Et voici Margeria avec ses horribles pistes de ski. C'est très vilain et la station aussi. Au loin là-bas, c'est la dent du chat. Le Semnoz, où il n'y en a plus là cette fois de piste de ski. Oh, le lac d'Annecy. On en est assez loin, mais on le voit bien là. Le Mont Verrier, ça a du mal à zoomer, c'est un peu flou. Le Parmelan là-bas. Ah tiens, le Roc des Bœufs. Donc j'habite pas loin, c'est en dessous là. Voilà, par là. La Tournette. Tout au fond, le massif des Aravis. Oh, bah c'est la pointe Percée. Très belle d'ici, très belle. Le Trélot. C'est dans les Bauges.
Tiens, peut-être voir la croix de Rossane pendant qu'on y est là. Voilà la croix de Rossane. De Rosanne, pardon. Ah ben là-bas tout au fond, c'est le Mont Blanc. Que c'est beau vu d'ici. Et je vous laisse passer tous les massifs de la Vanoise et tout. Retour dans les Bauges avec le colombier qui est juste en face de moi. Belle donne par là-bas au fond. Le mont Granier, donc la Chartreuse. Voilà, on a fait le tour. Petit regard vers en bas. Les étangs de l'Échereine. Avec jaune, ça plus bien. Une heure plus tard, comme je n'étais pas encore rassasié, me voici au sommet du Colombier. C'est écrit dessus. Super, ça fleurit déjà. C'est joli. C'est quand même une jolie sortie d'Andorosane et Colombier, ça vaut le coup, c'était super. Il n'y a plus qu'à descendre.